Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Summer in Mara live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! J'ai la cristallide, mais elle est coincée dans une pierre. Est-ce que vous pourriez l'en sortir? Non, je ne veux plus toucher à mes outils. Apporte-la à Kaji. On n'est pas le temps d'une petite... Je n'ai pas vu l'épave. J'entends encore l'explosion. Parfois, lorsque tout est silencieux. J'ai l'impression de l'entendre au milieu de l'océan. Je peux crier bien plus fort que n'importe quelle explosion. Je vous en prie, Duna, n'abandonnez pas. J'ai abandonné il y a bien longtemps. Ce n'est pas grave. Ne le faites pas pour vous. Faites-le pour moi. Aidez-moi. Essayez de réutiliser vos outils pour faire quelque chose de bien. Pour un nouveau sauver Mara. Ça, je crois que j'en suis capable. Merci, Duna. Qu'est-ce que tu vas faire pour Sammy? Je ne sais pas. Ce que je fais toujours. Planter, ricotter, cuisiner. La chose fonctionnera. Français cristallier. À bientôt, Duna. Que le vent de Mara soit favorable, capitaine. Retourne voir Sammy. Apporte-lui une fleur de Haku pour la convaincre. J'ai une toile pour vous. C'est intéressant. Non, elle est vierge. Ah, c'est ce que j'avais demandé à Rigata. Merci pour la toile. Tiens, voici la récompense. Si tu trouves d'autres choses intéressantes, apporte-les-moi.
Je vais voir Rigata après. Pourquoi es-tu revenu? Je vous en prie. J'ai apporté une fleur, vous savez, la fleur de la cour, c'est très bien, mais je ne changerai pas d'avis. Et Samy, il me le faut, désolé. J'en ai plus besoin que toi. C'est tout ce qui me reste de la cour. Je ne vous comprends pas. Tu comprendras quand tu seras plus vieille. Je refuse de vieillir. Salut quoi, comment ça va? C'est compliqué. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé quelque chose à Samy, mais elle ne veut pas me le donner. Eh bien, ça lui appartient, mais c'est très important. Et avant que ça lui appartienne, ça appartient à ma grand-mère. Je vois, c'est compliqué en effet. Comment s'appelle ta grand-mère? Peut-être que j'ai quelque chose dans son journal pour elle. Yaya Haku. Je crois que tout le monde l'appelle Haku. Haku? Oui, regarde. Il s'est dit qu'elle était capitaine dans la marine. Elle était sérieuse. Et qu'elle avait un sens de l'humour et que son bon poisson qu'elle cuisinait était fantastique. Du bon poisson, la recette est écrite ici. Il te faut du poisson chat à queue rouge et des carottes. Le plat me rappelle quelque chose. Et à la main de la sortie du four, tu dois ajouter des confitures d'orange sur le dessus. Hé, hey, Yaya m'a montré cette recette il y a quelques années, mais il manquait les derniers ingrédients parce que je ne l'avais pas écouté. Tu as dit que c'était de la confiture d'orange? Oui. Tu vas bien? Je dois la préparer ce plat pour Samy. À plus, Anzo. Au revoir, aventurière. Ta 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 ta. Est-ce que j'allais, j'ai dit? Oui, cuisiner. Ah, il est là. Excellent, on y va. Tourou, 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 tourou. Samy, ça sent bon, c'est l'odeur me dit quelque chose. Poisson comme Haku le préparait. Comment fais-tu pour toujours avoir une surprise pour moi? Pourquoi as-tu préparé ce poisson? Aujourd'hui, j'ai appris à le préparer comme Yaya. Est-ce que Haku vous en faisait aussi? Oui, il était très bon. Bon, voyez-vous, Haku n'est jamais vraiment parti. Elle ne nous a pas abandonnés. Elle est toujours là-bas avec nous. Qu'as-tu dit? On coupe un arbre, on se sert les graines pour en planter un autre. Amara, jamais rien ne disparaît pour de bon. On n'en voit peut-être plus Haku, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus là. Le plat était une de ses signatures, tout comme la fleur. Et bien autre chose, vous n'avez pas besoin de du cristallite pour se souvenir d'elle, parce qu'elle est toujours là, en vous, en moi.
Quoi? Comment as-tu pu grandir aussi vite? Moi? Je suis qu'un enfant. Tiens, promets-moi que tu en prendras soin et que tu reviendras me voir. Toujours, Samy. Vous êtes mon ami. Des amitiés bien particulières sont forgées sur les côtes de la Grande Mara. C'est certain. Il ne reste plus qu'à appeler les pirates. Agatha, je voulais te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai rencontré une élite et m'a parlé de David. Ah oui, le miracle et le fléau de Deva. Aurais-tu une recette pour en fabriquer? Ça pourrait me servir. Il n'y a pas de fruit de Dadiva, Mara. Et puis ça ne servirait à rien. D'accord, d'accord. Mais je sais comment préparer quelque chose qui s'en approche. Tu veux dire proche de David, Dadiva? Ouais, apporte. Bon, un échantillon.
Je suis là. Ah oui. C'est ça, mais ce n'est que... Laisse-moi goûter. Il est impossible que tu aies réussi à reproduire la formule, mais ce n'est que du jus de mûre. C'est ce que j'essaie de dire depuis le début. Lydia, c'est quoi, Davida, exactement? Il y a plusieurs décennies de ça, les élites ont découvert que le fruit du Davida était une source d'énergie surnaturelle. C'était un fruit défendu, mais leur arrogance leur a fait ignorer cette interdiction. Depuis tous les générations d'élites sont accro à la Davida Dadiva. Il règne sur nos vies et notre société, mais ce jus est excellent. Bon travail, merci. Depuis combien de temps es-tu, Amara? Ça fait quelques années, je ne sais plus combien exactement, et ta maison ne te manque pas, et ta famille? Si parfois, qu'il a n'aide pas vraiment, mais je m'entends bien avec les pirates. C'est bien. Par contre, ça me manque de pouvoir manger des Red Manta, elles sont rares, Amara. On peut en attraper une. À Deva. Mais ski, essayons. D'ailleurs, j'ai mes chenilles qui serviront d'appât. Allons pêcher.
Assez vite, capitaine, as-tu payé tes taxes de pêche? Non. Et combien? Je peux te faire un bon prix, ça suffit, monsieur. Vous ne savez pas de rouler quoi. Oh, Regatta, tu es là? Oui, alors, ça suffit. Montre un peu de respect envers le roi. Ok, je t'en prie, personne ne te croit à cette histoire de roi des pirates. Je suis la discipline la plus fervente de Grand Lune. J'étais déjà un pirate alors que tu portais encore des couches culottes. Eko, laisse-nous tranquille. Peu importe, on se reverra. Il est gonflé. Ne t'en fais pas, vent. Allons nous préparer à manger. Êtes-nous encore à pleine exploration, Marine? Je cherche quelque chose. Pour Aquila, si on veut. Besoin d'aide? Ça ne te regarderait pas de plonger ici? Pas du tout. Je cherche une sorte de cube que tu trouverais au fond de l'eau. Assez abandonné.
Non, elle est là. Et voilà ton cube, il est orné d'un joli symbole. Comment tu as fait? Comme tu me fais penser à Deva. Et que tu m'apportes ce jeu de mur. Je me sentais nostalgique. J'en suis désolé. Non, ce n'est pas grave. Il faut se souvenir d'où on vient. N'oublie pas. N'oublie jamais, toi. Tu es de ma. Et capitaine, si tu as besoin de quelque chose, j'ai besoin de toi. Thank you.
J'ai réussi à descendre. Et capitaine, tu as besoin de quelque chose? J'ai fini la quête d'Aquila, I guess.
Donc, c'était tout pour le live du jeu Summer in Mara, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh, yeah!